Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, vous êtes sur votre chaîne préférée et vous regardez votre émission préférée. Applaudissements, merci beaucoup, public adoré. Bien, bien. À nous deux, Nelson. Enfin, nous deux. Ok. Avec les 34 millions de téléspectateurs. Tu t'appelles Nelson Carrera. Ouais. Donc, en 2014, tu fondes un groupe, c'est ça, hein? Ouais. Hein, qui s'appelle groupe. Donc The Scoundrels. The Scoundrels, tout à Alors, fait. Alors, que veut dire The Scoundrels? Ça veut dire les canailles, en fait. Ah, les canailloux. Les canailles. Comme des canailles. En fait, pourquoi tu les as appelés comme ça? Il y a une raison, c'est que... Oui, ben, je suppose qu'il y a une raison. J'ai lu une anecdote sur Buddy Holly and the Cricket. Buddy Holly and the Cricket, il devait s'appeler... il voulait s'appeler Buddy Holly and the Scoundrels, mais son manager lui a dit... écoute, ça veut dire... tu sais, les voyous. Buddy Holly et les voyous, c'est pas vendeur, alors vous n'allez pas prendre ce nom. D'accord, donc c'est grâce à ça que Buddy Holly a vendu des millions de disques. Parce qu'on aime bien Buddy Holly, on est devenus les Scoundrels. Ouais. Non, c'est bien. Alors, tu te produis au départ, tu te produis dans des bars et dans des festivals, c'est ça? Dans des bars, dans des festivals, dans tout. Et ça fait combien de temps que tu fais du rockabilly? Depuis l'âge de 16 ans, c'est-à-dire depuis 78 déjà. Ah ouais. Ouais, voilà. Ça a été quoi le déclic pour toi? Jim Basson, comme beaucoup, Vincent, bien sûr. Et tu t'es dit, je vais faire ça à 16 ans, tu voulais pas faire autre chose? À l'âge de 11 ans déjà, j'écoutais les disques de mon frangin, j'ai eu le premier, c'était Jim Vincent. C'était que du rockabilly ou un peu de rock'n'roll? Du rock'n'roll, du hillbilly, la country music, je suis un grand fan d'Hank Williams, j'aime les trucs de crooner, j'adore Frank Sinatra, Dean Martin. Et... tout ça, donc tu t'es dit, je vais en faire mon métier. Voilà. Alors tu as fait un festival qui s'appelle le Béthune Rétro, c'est quoi ça? Le Béthune Rétro, c'est un festival qui est génial parce que tu peux jouer dans des cafés, dans des bars, des restaurants, dans des salles. Tout à fait. D'accord. Tu as fait plein de festivals, le Rockabilly Day en Belgique, je ne te connaissais pas. Que des groupes de rockabilly? De rockabilly, de hillbilly, éventuellement de blues. Alors en temps normal, j'ai en temps normal parce qu'on est quand même encore en pleine crise sanitaire, bon ça va mieux. Est-ce qu'il y a un vrai mouvement rockabilly en France? Il y a des scènes où vous pouvez jouer? Oui, il y en a un, Vous vous retrouvez avec plein de groupes comme ça sur scène? Oui. Donc en 2016, tu sors un disque, c'est ça? Qui s'appelle... C'est quoi, Dogon Blue, c'est ça? Dogon Blue, en tout cas, c'est le premier disque que j'ai sorti avec le groupe. Qui s'appelait déjà Les Canailles ou... Avec Les Canailles, Les Scoundrels, c'est Dogon Blue, le premier disque qu'on a fait. Tu sors aussi un vinyle, ça s'appelle Partners, c'est ça? Partners in Crime. Vinyle et CD, pareil. Et t'as toujours fait du rockabilly? Que du rockabilly? En fait, mon premier disque, je suis enregistré en 1983 déjà. Et c'était déjà du rockabilly quand même. C'était déjà du rockabilly. Bon, t'as des scènes prévues une fois que tout ça sera fini ou... Oui, on doit passer... On a une soirée privée le 12 juin, mais ça n'a pas... Ça reste privé. Ouais. Mais on va faire Parmain les 18 et 19 septembre. C'est une ville, Parmain? C'est un festival à Parmain, c'est le Custom Festival. D'accord. Il est sorti quand, celui-là, cet album? Cet album, en fait, on l'a sorti pendant le confinement, c'est une autoproduction. D'accord. On a, en fait, quelque part fondé un label qui s'appelle Tiger Records. Donc tu es autoproduit? Ouais, je suis autoproduit. Et il y a une chanson qui est dedans qui sortira sur le label Teddy Cat Records de mon ami Billy Briantine. Très bien. Voilà. Donc là, tu vas quand même chanter pour le GLPP. Oui. Deux titres. Plaisir. Quels sont ces deux titres? Le premier, c'est un hillbilly qui s'appelle Somebody Up There Likes Me. Oui. Et le deuxième s'appelle Grace. C'est tous les deux des originaux. Très bien. Mais il n'y a que des originaux, de toute façon, souvent. Tu fais beaucoup de reprises? Sur le CD, il y a 7 originaux et 3 reprises. Oui. Et sur le 25, 6 originaux et 2 reprises. 25, c'est-à-dire 25 cm. 25 cm, on peut dire 10 pouces. Parce qu'on ne les trouve plus. Plus personne ne dit sur le 25, si tu veux. On est des kamikazes. tu vas rejoindre le... Oui, bien sûr. Avec tes deux musiciens. Comment s'appellent tes deux musiciens? Très volontiers. Il s'appelle, à la guitare, on a donc Raphaël Dequet. Oui. À la contrebasse, on a Mario-Georges Pires. Oui. Et à la batterie, on a... On a d'habitude Pascal Allanche, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il est pas là. On nous a dit que c'était assez serré. Voilà, on y va. Hein? Ok. Donc pour le GLPP, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Nelson Carrera. C'est parti. Somebody up there likes me. Oh honey, baby, can't you see? You ask me, baby, if life is good to me. Somebody up there likes me. Somebody is caring for me. I up in the sky. I feel so lucky, don't ask me why. But somebody up there likes me. I was an unemployed, sitting home alone. Pretty close to blow my top. So
pretending somebody called me by the phone. And now I got a brand new job. Whoa, somebody up there likes me. Oh, honey, baby, can't you see? You ask me, baby, if life is good to me. Somebody up there likes me. Somebody is caring for me. I up in the sky. I feel so lucky, don't ask me why, but somebody up there likes me. I was broken out of blue and all alone, praying for my turtle dove. So then a sweetheart called me by the phone, and now I got a brand new love. Oh, somebody up there likes me. Oh, honey, baby, can't you see? You ask me, baby, if life is good to me. Somebody up there likes me. Somebody up there likes me. Oh, honey, baby, can't you see? You ask me, baby, if life is good to me. Somebody up there likes me. Somebody up there likes me. Somebody up there likes me. Merci beaucoup. Bravo. Présent Grace, une femme qui mérite bien son nom. You deserve a name. Brains, brains, you got to understand. I just can't live one more day without you. If one day you leave, I'm gonna feel so blue. Brains, brains, so in love with you. Babe, your skin is a hot stuff, and your lips burn like hell. You're so sweet and I'm so rough. Who cares? Everything's well. Oh, 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 brains, brains, you never told your mom. Brains, brains, you never told your dad about a crazy guy who paints the town red. You never told him why he doesn't go to bed. Brains, brains, surely driving me. Babe, your skin is a hot stuff, and your lips burn like hell. You're so sweet and I'm so rough. Who cares? Everything's well. Oh, 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 brains, brains, you never told your mom. Brains, brains, you never told your dad about a crazy guy who paints the town red. You never told him why he left the cold your bed. Brains, brains, surely driving mad. Brains, brains, you sure deserve your name. Brains, brains, you got to understand. I just can't live one more day without you. If one day you leave, I'm gonna feel so blue. Brains, brains, I'm so in love with you. Brains, brains, so in love with you. Brains, brains, so in love with you. Bravo, Nelson Carrera. Merci beaucoup. Viens nous rejoindre. Nelson, voilà. Hein, ouais, c'est sûr. Voilà ton album qui est sorti. Ouais, ouais, il est déjà sorti il y a deux mois. Donc il y a la version 33 tours vinyle. Le 25, comme tu dis, 25 cm. Le 25 cm, 10 pouces aussi, et la version CD, quoi. Merci d'être passé par le GLPP. C'était le GLPP. Au revoir et merci. Merci. Merci.